En dernière nouvelle, le CEP a annoncé que c'est dimanche 20 novembre 2016 que premier tour élection a déroulé dans le pays d'Haïti suite aux récents dégâts causés par le cyclone Mathieu. Sous même élan, KEP a annoncé que deuxième tour, si nécessaire, a déroulé dimanche 29 janvier 2017 et nouveau président a prêté serment dans le mois février 2017 sans garantie que date 7 février 2017 l'an a respecté pour l'entrée en fonction d'un nouveau chef d'État. N'a signalé que suite à la publication du calendrier électoral, réaction dans la classe politique haïtienne n'a pas perdu du temps. Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence de la plateforme politique Petite Dessalines, tombé d'accord avec le calendrier électoral là, mais regrette en pile que la Constitution n'a pas respecté. Maryse Narcisse, candidate à la présidence du parti politique Famille Lavalas, pas aimé l'idée que date 7 février 2017 l'an, pas privé respecté. Pour Jude Célestin, candidat à la présidence de l'AP, Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, date raisonnable. Bon côté Pali, Maître Jean-Henri Seyan, candidat à la présidence de Remain Haïti, le 20 novembre, c'est une date acceptable, mais deuxième tour, 29 janvier, à trop près à 7 février, à, il posait un problème constitutionnel. Pour Jovenel Moïse, candidat à la présidence du parti haïtien Tête Calée, PHTK, nouveau calendrier électoral n'a pas respecté la Constitution et poser un problème de possibilité de caducité du Parlement haïtien qui capa plus d'un avantage, président Jostin Privert. Ronald Larèche, président du Sénat haïtien, pas du tout satisfait du calendrier électoral. Sénateur Larèche souhaitait une révision des dates par le CEP afin de respecter la date constitutionnelle du 7 février 2017 pour l'installation d'un nouveau chef d'État élu par le peuple.